Bonjour tout le monde. Alors, de retour sur la randonnée avec mon partenaire de randonnée préféré, Patrick. On est encore dans le parc de la Gaspésie. Aujourd'hui, c'est les monts Réal de Saint-Vallière. Randonnée très particulière, 2 km soutenus au début. Puis ensuite, sa particularité, c'est qu'on peut faire 7 sommets sur les crêtes, sur 12 km. Est-ce qu'on va en faire 1, 2, 3? On ne le sait pas. On va essayer d'en faire 7. Ça va dépendre de nos réserves. Oui. Super belle journée aujourd'hui, ensoleillée. On pense qu'on va avoir une belle vue sur les crêtes. Donc, bye bye et bonne randonnée à nous. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line, I won't let go. On est dans le 2 km de montée soutenue. Est-ce que la montée est soutenue? Ah, je te vois même pas. Ah, elle est soutenue. Mais agréable quand même. Days, summer's golden haze in our eyes, lifting you above the breaking waves, memories floating back to my mind. You said, hold the line, I won't let go, 'cause I'll be there when you can finally make it home, and I don't mind, 'cause we both know. Because when I'm in a room with you, that missing piece is found. You know when you're by my side, darling, nothing can break us down. It's like when you're far away from me, I get lost in the crowd. Because when missing piece is found.
people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while the shots and men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. Confirmé. On va s'arrêter à 6. 6 sommets. Regarder là-bas le 7e. On voit le 7e, mais on n'a plus de jus. Puis il faut revenir. Le 7e est le plus difficile, semble-t-il, selon les gens qu'on a croisés. Fait que c'est ça. Des choses bien importantes, les amis. Dites-vous que si vous en faites 5, vous êtes déjà aussi bon que Patrice Godin dans son émission Rencontre au sommet. Ouais, on est meilleur qu'eux, on en a fait 6. C'est assez. Talking about Robert Riker and his Motley Crue. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Ben, on n'a pas fait les 7 sommets, on en a fait 6, mais une chance qu'on n'a pas fait le 7e parce que le dernier kilomètre, j'étais épuisée. Je n'avais plus de jus. Chaque pas faisait mal, les orteils, les chevilles, les genoux. C'est ça, bien contente que ça soit terminé. Les choses bien différentes, c'est que contrairement aux autres montagnes où on monte et ensuite on descend, là on monte. Et on fait plusieurs descentes et remontées. Je pense que c'est ça qui est dur sur le physique, mais aussi à la fin sur le psychologique. Oui. Puis il y a aussi que comme on est sur les crêtes, on n'est pas dans le bois, ça prend de la crème solaire. Là. On avait mis avant de partir, là, mais je sens que ça chauffe sur mon corps et que j'ai des coups de soleil. Puis le stuff pour les mouches, aux demi-heures, j'en mettais. On n'a pas fait souvent des randonnées en juillet. On en fait plus en juin et en août pour la chaleur. Donc, les mouches, on n'avait pas vraiment connu ça en randonnée. Puis, ils m'aiment beaucoup. Et voilà! Peut-être dans un prochain vidéo, éventuellement. Bye!